Vendredi lecture. Cette vendredi a passé comme une fusée et j'ai pas eu une momente à moi. Hein? Qu'est-ce que t'en penses, mon chéri? Et d'ailleurs, si vous écoutez correctement, vous allez entendre des sœurs féministes chanter Céline Dion à tue-tête. Alors, je vais tout de même vous dire juste quelques mots d'une œuvre qui compte pour moi et vous faire profiter de la beauté du visage de mon fils blasé par Céline Dion. Comme on a décalé le spectacle, mon troisième spectacle féministe après Compte à rebours et La Péril mortelle, qui est Opinion d'une femme sur les femmes, cette fois pas de moi, mais d'une autrice de notre matrimoine qui s'appelle Fanny Raoul et qui, en 1801, a écrit ce manifeste féministe révolutionnaire qui aurait pu être écrit la semaine dernière, ce qui est à la fois émouvante et désespérante puisqu'elle demande des choses que nous n'avons toujours pas, mes sœurs. Eh bien, ce spectacle a été décalé avec Feminist in the City pour des raisons de planning. Et donc, ce sera la 10 octobre, je crois, un panto, dimanche. Et donc, elle commence son texte comme ceci. Opinion d'une femme sur les femmes. De Fanny Raoul, texte de 1801. Les préjugés qui supposent en nous ce qui n'y est pas ou qui dissimulent ce qui est, sont un obstacle aux découvertes et une source d'erreur. Condillac, de la manière d'étudier l'histoire, tome 1. Ô femmes, permettez que je vous dédie mon ouvrage, femmes, pour qui seule j'écris. S'il trouve en vous ses protectrices comme son sujet, qu'ai-je à redouter? Forte de votre approbation, j'oserais toute braver. Puissais-je améliorer votre sort? Plusieurs d'entre vous, ne le croyant pas si malheureux, s'étonneront du tableau que j'en fais. Les couleurs en sont fortes, peut-être elles empruntent la teinte de mon âme, mais elles n'y entrent point d'exagération. Hélas, la vérité. La triste et cruelle vérité est là. C'est elle seule qui conduit ma plume. Son ascendant irrésistible m'entraîne et je prends votre défense. Peut-être l'injustice et la déraison prévaudront-elles encore longtemps. Peut-être l'habitude de penser n'est-elle pas assez commune pour que toutes les idées philosophiques puissent fructifier dans de telles qu'elle n'a pas encore cultivée, mais une idée utile est rarement perdue. Elle tombe toujours dans quelque esprit fécond où elle fermente en silence et se développe tôt ou tard. Voilà l'encouragement des philosophes véritables. Leurs écrits peuvent être mal accueillis d'une foule frivole qui ne peut s'élancer au-delà de l'intérêt présent et immédiat. Mais n'eussent-ils produit leurs effets que sur une seule lectrice, un seul lecteur? Leur succès est certain, parce qu'elle y aura d'autres siècles après le leur. Quel que soit le sort de cet écrit, je recevrai une bien douce récompense de mon dévouement si votre estime en devient le prix. Voilà ce qu'elle écrivait en avant-propos, notre grande sœur Fanny Raoul de notre matrimoine. Et si Ponto reste de marbre, présentement, c'est juste parce qu'il l'a entendu souvent quand je répétais. Ah, c'est vrai, mon fils. C'est vrai? Voilà. Et on vous souhaite une belle soirée. Et je vous promets des vendredis lectures un peu plus mises en scène au niveau de la vidéo. Voilà. Et là, j'avais pas toutes les pièces de chez moi. Il se passe des trucs. C'est mignon. Et retenez bien avec Feminist in the City, dimanche 10 octobre, je crois. En tout cas par là. Je jouerai entièrement ce texte extraordinaire, vraiment. Brillamment écrite. Et puis il y aura aussi Geneviève Fraisse qui sera là, puisque c'est elle qui a déterré ce texte dans les années 2000, c'est ça. Et puis moi, j'ai eu le plaisir de lire le mémoire qui a été écrit sur Fanny Raoul par une historienne qui s'appelle Christelle Brunet et qui a étudié sa vie et l'ensemble de son œuvre. Et j'ai pu consulter ce mémoire en bibliothèque universitaire à Paris 8 à l'époque. Et donc, je pourrais vous raconter son existence, ce qu'on a réussi
à en savoir grâce à cette historienne. Très, très belle soirée à toutes. Pour toi, tu souhaites une belle soirée? D'accord. C'est pour souhaiter des bonnes. C'est magnifique, tu sais.